parce que je suis là pour ça, pour sauver la veuve, l'orphelin et l'opprimé. Et c'est ma mission. Donc on sort. On sort. Sortons. Oui, soigne-le, soigne-le, soigne-le. Alors, oh, aux collines ouest. Très bien. Oh, très belle map. Alors, la demeure, la grange, la porte, forgeron, herboriste, hall public, taverne et un chemin. Bien. Je vais explorer tout ça. D'abord, lisons les quêtes. Voyons voir. Le masque. Alors, l'arche de dragon par les kobolds, un masque qui a appartenu auprès de Masque. Masque, masque, merci. Mais qui possède une grande puissance, ignorait tous ses pouvoirs. Qui veut s'avérer dangereux si on considère sa provenance. Ok. La statue de tour. D'accord. La dent de dragon. On ignore. D'accord. La main momifiée. Très bien. Donc pour le moment, Monsby. Et là, c'est toute la quête. Enfin, c'est même pas toute la quête, c'est juste tout ce que je dois faire. Alors, explorons un peu tout. On va regarder. Alors, je trouve que c'est très beau. Ah, qu'est-ce que... Oh, salut! Messieurs, bonjour! Merci! Xanos, je sais pas ce que tu as utilisé, mais c'était sans doute un de mes sorts. Exactement, je vais te bourrer de sorts donc. Un quartz, c'est pas ce que je recherche. Mais par contre, ici, ça doit être la grange de Drogen. Petite grange. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose, allons-y. Des vaches... Ah ah! Un kobold qui s'était caché! Bon, ah non, ça m'affecte pas. Une vache qui est... Une vache morte. Pourquoi pas? Des réserves. Donc ouais, la grange, c'est pour subvenir à ses besoins. Très bien, mais en fait, toi, je vais te passer tous mes sorts. Niel sait mieux faire les sorts que moi. Je suis jaloux. Je suis tellement jaloux. Là, il y a un bœuf. Là, ça doit être les portes. Bon. Bon. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi! Les kobolds du passé par le village, et même ces créatures ne constituent pas les adversaires du jeu. Non, elles auraient pu poser de sérieux problèmes. Mettons un plan. Alors, voici une puissance unité que par tellement qu'on rare qu'elle vient de Xanos. Oui, calme-toi. Alors, viens d'en partir. Sinon, les poursuivants s'attendent, on parviendra peut-être à les rattraper avant qu'ils aient quitté le village. Mais il vaut mieux formuler un plan. Alors, nous les trouverons ensemble. Tu préfères à tous les autres, sans doute parce que tu es son plus vieil élève. D'accord, merci. Ok. Merci, Xanos. Alors j'entends plein de maisons, donc je vais fouiller toutes les maisons. Ah. Donc ouais. Monsieur, les gardes. Et le bourgmestre ne veut plus travailler. Très bien. Un chien. Toutes les maisons ont l'air fermées. Un petit cimetière de haute colline. Ah, ici c'est le forgeron. Ah, d'accord. Oh, ok. C'est bien. Un kobold mort. Ok, donc ils se sont barrés. Basiquement. Alors, il y a une taverne là. Et il y a un hall public. Un hall public. Et ben, je vais aller au hall public avant. Forgeron, herboriste. Oh, intéressant. Mais d'abord à la taverne. Allons boire un coup à sa mort. Voilà.
Je suis un énorme connard. Oui, je sais. Ah, tu n'es qu'un vieil homme, tu n'es pas un PNJ. Oh, wow. Messieurs, bonjour. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Salutations. Messieurs, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire? Ah oui! Oh, bon. Très bien. Messieurs! Je veux parler à votre chef! Enchanté. D'accord. Voilà. Oui? Alors, la quête, elle me dit quoi? Alors, un gros. Alors, simple hypothèse, il se passe quoi si je fais ça? Ah. Merde alors. Oups. Ah! C'était donc ce qu'il se serait passé dans un univers alternatif. Je peux pas leur parler. Putain, mais. Ah, merci. Alors, nous plus vouloir combattre. Laissez partir nous, oui, pour nous tuer, femme cuisine. D'accord. Prenez-moi comme otage! Oui. Je viens seul. Non mais calmez-vous. Y a des cinématiques dans le jeu? Waouh. Voilà. Je les laisse partir. Voilà. Calmement. Que personne n'attaque. Voilà. Oh. Voilà. Qu'est-ce que Voilà. je peux faire? Ah merde, Mara, elle est où? Elle est où? La quête? La quête? Ah, il y a quoi? Yeah, mais il y a un mec qui a bugué. Oh là là. Tu viens demander à Xanos? Oui, allez, faut me le payer. Et j'ai gagné quoi? J'ai gagné quoi? J'ai gagné de l'XP. Oui, j'ai gagné de l'XP. Oh, c'était la petite quête sympathique. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, t'aimes me récompenser pas, je suis tellement. Je suis heureux de vous avoir aidé, puis j'ai trop de thunes. J'ai énormément d'argent. D'ailleurs, est-ce que l'on peut. Est-ce que je peux acheter des trucs? Alors, dans le hall. Messieurs, dames, bonjour. Sorte-toi. Fais-je voir ce que tu vends. C'est de la merde. De l'eau bénite.
Oh! Ça, je te le prends. Ça aussi, ça pourrait être utile. Bien, il me faut le chef. Il y a plein de personnages. Bonjour. Non, rien. Bonjour. Bonjour. Quelqu'un, s'il vous plaît. Oh là là. Bonjour. Salut. Tu me connais pas. On se connaît pas, bordel. Ah non, Bado, d'accord. C'est... Ah, bourgmestre, parfait. Hey, bonjour, l'ami. Bonjour. Comment tu me parles? Alors, est-ce que je vous ai déjà dit... Combien j'apprécie votre aide? Vous êtes la meilleure, Yannia. Oui, la meilleure. Voilà. C'est ma meilleure imitation. Monsieur, vous êtes un bon chef aussi, en temps normal. Oh, oh, il a bu. Est-ce qu'il a bu? Ah. Ah. Nous avons été attaqués. J'ai toujours considéré que... Oh, ouais, bon, d'accord. Donc, lui, il est bourré. C'est quoi vos problèmes? D'accord, il est enfermé, la traité d'idiot, et puis par la torque, et on le mourra pendant la semaine. Laisse-moi deviner, il est mort. Il est mort. Il est donc mort. Docteur, je vais pas parler à Pipé. J'aurai besoin d'encouragement. Yay! Oh, ça parle mal. Bon, toi, tu es... Tu es bourré. Tu es donc bourré. Alors, il faut donc que je trouve ce Pipé. Pipé. Ça, on pourrait dire que... les dés sont Pipé. C'était ma meilleure vanne. Il est où, d'ailleurs? Oh! Il y a des coffres. Personne. Ah, ils sont verrouillés. Quel dommage. Je ne peux pas les prendre. C'était pas la bonne touche. Pas encore à la balance. Voilà, oh là, tu me demandes beaucoup trop de choses, madame. D'ailleurs, elle est où? Parce que j'ai pas eu d'informations. Ou alors il est là, ou alors je l'ai raté. Tu as combien de points de vie? 160 PV de l'or. D'accord, à quoi ça me sert? Oh, un trousseau plus 10. Toujours une utilité, une bénédiction, très bien. Et de la bière. Et voilà. Et c'est parfait. Donc il faut que je trouve cet homme. Oh, un hôtel. Un hôtel, donc. Très bien. Redis-moi où il est, ce... Hé, hey, bonjour, l'ami. Oui, je sais. Comment ça va, le MDR? J'aurais besoin d'un cours. Ah, non, mince. Merde, non. Hey, bonjour, l'ami. Comment ça va, tac. Alors. D'accord, bah, il faut que je trouve où il est. Je sais pas où il est, mais il est quelque part. Dans la ville, sans doute. Alors, en colline, gardien est aux collines. Et peut-être qu'il marche. Peut-être qu'il est ailleurs. Ou peut-être qu'il est en train de se bourrer la gueule. Dans cette magnifique taverne où j'ai sauvé tout le monde. Et je suis très fier. Vieil homme, membre, Mara. Bonjour Mara, comment vas-tu? D'ailleurs, c'est important de savoir. Vous êtes reconnaissante à quel point? Énormément. Oh là là, est-ce que je tente? Oh là là. Ah, excusez-moi.
Oui, il faut que j'essaye des choses, hein, écoutez. Parce qu'il faut un quota de... Oh, mais... Putain, il y a... Ah non, c'est pas la caisse, c'est une caisse. Putain, non, c'est là, c'est une caisse ouverte. Avec de l'ail, des bouteilles. Des vampires. Mais on va avoir les vampires maintenant? Ah là là! Comment ça me spoil? Putain, pied du poisson. Ça me spoil tout. Ah! On a eu les morts-vivants, on a eu les magiciens. Et maintenant, on me spoil les vampires. Incroyable. Bon, faut que je trouve ce pipé. Alors. J'ai plus la pierre de rappel, mince. Si, je vais me faire de rappel là. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Ah ouais, d'accord, je me fais mais complètement avoir. Je me fais tellement avoir là-dessus. Très bien, bon, il faut que je trouve ce prophète. Alors, il y a deux choses. Soit il est quelque part, et dans ce cas, il est dans le village, et ça peut se régler facilement. Non, c'est pas toi que je voulais. Soit il est ailleurs. Oh, c'est quoi ça? Empilement de pierres. Ce sont des cailloux. Soit il est dans une maison, quelque part, ou bien il est dehors. Il y a des poulets. Il y a des poules qui sont easy tranquilles dans leur vie, dans leur petit poulailler. Ah, messieurs! Monsieur Pipé! Alors, monsieur Pipé, à l'ultime heure de la troisième nuit, la mort vint des ombres. Bonjour, messieurs. Bonjour, oui. Messieurs, monsieur, oui, monsieur, s'il vous plaît, je voudrais vous parler, je voudrais vous parler, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Non, 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 non. Oui. Non, 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 non. Non, mais monsieur, 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 s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Ah, oh, putain. Persuasion. Yes. Alors. Pas d'hiver. Ah, pas d'hiver. Oui. Hop, succès. Voilà. Voilà. Ah, je t'ai pas dit que tu allais mourir? Je ne t'ai pas dit que tu allais mourir. Tu attends quelque chose. Bon, eh ben... Un problème de régler, je crois, peut-être. On va dire que c'est réglé. On va dire que je l'ai gentiment invité à aller ailleurs, voilà, à aller proférer ses paroles dans un autre village, voilà. Je ne l'ai pas tué. Bonjour l'ami. Ce n'est plus un problème. Alors vas-y, 200 XP. Ah, merci, merci, merci. Voilà. Bon, et eh ben ça. C'est un problème de régler. Donc, la quête. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et maintenant, j'ai plus que les quêtes à faire ici. Eh bien, moi, ce que je propose, comme ça, c'est que pour cette première petite heure où je découvre un petit peu la première extension, ça c'est bien. On a quand même pas mal. Pas mal de nouvelles choses, il y a un inventaire sur le personnage, sur le follower, et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui permet de changer pas mal de choses,
notamment qui me permettra de lui passer des sorts pour qu'il les utilise, et ça, c'est non négociable, avec le fait que je peux lui passer d'autres objets qu'il pourra utiliser. Voilà, et c'est superbe. Bien, sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette première heure de jeu. Je sais pas trop si je mettrai tout le bloc ou si je découperai en deux épisodes. Mais voilà. Merci à tous d'avoir suivi cela. Si cette extension, si la recherche de cette première extension vous plaît, je vous invite à bourrer les pouces en l'air ou vers le bas, c'est comme vous voulez. À commenter si vous avez des astuces ou des trucs sur cette extension qui pourrait m'être utile. Évidemment, la partager et vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, si cette aventure vous intéresse. Je rappelle cependant que pour apprécier l'extension comme il faut, je vous invite à aller regarder l'aventure principale qui est disponible. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine sur Neverwinter Nights Shadows of Hundred Tide.